Alors bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés et qui essaient de suivre cette conférence. J'espère que ça passera sans problème au niveau technique. C'est une conférence qui, à la base, était organisée dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par l'association DLV 2030, Durance Luberon Verdon, pardon, et qui devait donc être un problème. Excusez-moi, un petit problème de son. Donc, il est organisé dans le cadre d'un cycle de conférences. Et c'était la dernière conférence qui devait traiter du sujet de l'énergie. Le virus nous a empêché de la faire en direct. Elle devait avoir lieu à Manosque. Donc, on a décidé de la diviser en deux parties. Une partie conférence ce soir, où je vais en fait donner un peu le ton et l'introduction, parler de l'énergie et de la transition énergétique. Et ce sera suivi d'un débat en live la semaine prochaine, ou d'une table ronde virtuelle la semaine prochaine, avec d'autres intervenants pour discuter un petit peu de la transition énergétique, peut-être plus au niveau local. Donc ce soir, en fait, je vous invite à une petite réflexion, une discussion sur ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le fait de changer de façon massive notre infrastructure énergétique, la façon dont on produit l'énergie, la façon dont tu l'utilises. Mais je ne vais pas vous donner, ça sera parce que j'ai pas toutes les réponses, je ne vais pas vous donner une idée de quel est le mix énergétique idéal. Ce que je vais essayer plutôt de vous montrer ce soir, c'est qu'est-ce qui définit en fait la temporalité d'une transition énergétique, quels sont les facteurs qu'il va falloir prendre en compte si on parle de changer notre infrastructure énergétique et de combien de temps ça va prendre et quels sont les facteurs qui sont importants à prendre en compte quand on a ces discussions-là. Donc ça va vraiment être un peu une discussion d'introduction pour voir. Est-ce que c'est vraiment possible de changer notre infrastructure énergétique d'ici 30 ans comme on a besoin de le faire? Quels sont les facteurs qu'il va falloir prendre en compte? La première chose à faire, ça va être de définir un petit peu de quoi on va parler. On parle d'énergie et tout le monde utilise le mot d'énergie. Je suis physicien des plasmas, et j'aime bien définir un petit peu de quoi je parle. L'énergie, c'est un terme un petit peu vague parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement. C'est quelque chose qui apparaît sous des formes très différentes. On a de l'énergie cinétique, de l'énergie mécanique, différentes formes d'énergie, mais on utilise le même mot. En physique, on appelle l'énergie la capacité d'un système à fournir un travail. Ce qui, en principe, ne vous dit pas grand-chose, mais si je bouge un objet d'un point A à un point B, j'ai en fait exercé une certaine force sur une certaine distance. Ça me dit que j'ai dépensé une certaine énergie pour déplacer cet objet. En fait, l'énergie, c'est ce qui va caractériser, c'est la grandeur physique qui va caractériser le changement d'état d'un système. Que le système change de température ou de vitesse ou de forme, c'est à chaque fois de l'énergie qu'il aura fallu apporter au système pour qu'il change d'un état à l'autre. Ou alors, c'est le système qui se sera libéré de son énergie pour passer d'un système à l'autre. On peut penser au cas du refroidissement, par exemple. En fait, plus globalement, et c'est ce qui va nous intéresser ici ce soir, l'énergie, ça va être notre capacité à modifier le monde qui nous entoure. C'est la capacité physique qu'on a, en fait, de modifier tout ce qui nous entoure. La meilleure façon de voir ça, en fait, c'est de se représenter la relation qu'il y a entre l'énergie qu'on utilise et l'énergie et l'activité économique qu'on génère, qui est en fait toute la richesse mesurée par le PIB, le produit intérieur brut. Donc le graphe de gauche vous montre une dépendance du PIB mondial en milliards de dollars en fonction de la quantité d'énergie primaire qu'on utilise. Ce qu'on voit, c'est que sur les 50 ou 60 dernières années, on a en fait une corrélation extrêmement forte entre la quantité d'énergie qu'on utilise, qu'on mobilise, et la création de richesses ou l'évolution du PIB. Pareil, si on regarde sur l'échelle de droite, c'est à l'échelle du pays maintenant, donc c'est ou d'une personne, c'est l'évolution de la consommation d'énergie par habitant par rapport au PIB par habitant. On voit la même relation. Alors c'est un peu plus bruité parce qu'il y a des histoires d'externalité. Mais ce que ça vous dit en fait, c'est que pour créer plus de richesses, si on considère que le PIB mesure la création de richesses, on a besoin de plus d'énergie. Vice-versa, à chaque fois qu'on utilise plus d'énergie, on génère plus de richesses. On peut aller un petit peu plus loin dans cette analyse en regardant en fait l'évolution du taux d'énergie utilisée par an, donc la croissance ou la décroissance d'utilisation d'énergie d'une année sur l'autre, donc qui est mesurée en pourcentage, donc si c'est une moyenne sur 3 ans, une moyenne glissante, mais ça vous quantifie l'évolution d'une année à l'autre de la quantité d'énergie qu'on utilise. Alors il y a l'énergie primaire en rouge, la quantité de pétrole en vert et le PIB. Vous voyez qu'il y a une très forte corrélation en fait sur les mouvements. Chaque fois que la quantité diminue
l'énergie diminue, le PIB diminue et suit à chaque fois. On a à chaque fois une corrélation extrêmement forte. De même, certains auteurs, comme Murphy par exemple, se sont amusés à regarder plus en détail d'année en année de combien change le PIB par rapport à combien change la consommation en pétrole dans ce cas-là, seulement du pétrole. Et on trouve une très bonne corrélation. Et en fait, ils pouvaient regarder, ils pouvaient définir d'une année à l'autre si on était en récession ou en croissance économique, simplement en regardant la quantité de pétrole qui avait été consommée et comment elle avait changé d'une année sur l'autre. Alors, c'est extrêmement important et d'autant plus important si on pense aux événements actuels. On a un très fort ralentissement énergétique, on diminue très fortement notre consommation d'énergie et l'économie, elle aussi diminue, ou va se contracter parce que les deux sont extrêmement reliés. Ce qui s'est passé depuis les années 1800, ce qu'on appelle la révolution industrielle, qui est parfois un terme un petit peu extrapolé, mais depuis les années 1800 jusqu'à nos jours, ce qui s'est passé, il y a eu une très forte augmentation de la population, mais surtout de la quantité d'énergie qu'on a utilisée, que ce soit par personne ou au total. La courbe bleue vous montre en fait l'évolution de la consommation d'énergie primaire en fonction de la population. Et vous voyez qu'on est passé d'à peu près 20 exajoules dans les années 1800 à à peu près 450 exajoules dans les années 2010. On a eu une très forte croissance, une croissance exponentielle de la quantité d'énergie qu'on a utilisée et une très forte croissance exponentielle aussi de la population. Mais on utilise aussi beaucoup plus d'énergie par personne. Donc ce n'est pas seulement parce qu'on a de plus en plus de gens sur Terre qu'on utilise plus d'énergie, c'est aussi parce qu'on utilise plus d'énergie par personne. Cette croissance est extrêmement forte et jusqu'à présent, elle a pas diminué. On fait toujours qu'augmenter notre consommation énergétique et la population, elle aussi, augmente. À tel point qu'en fait, comme notre énergie vient à 80% de la combustion d'énergie fossile, donc on brûle soit du charbon, soit du pétrole, soit du gaz naturel, on les brûle pour générer de l'énergie, de l'électricité, on les brûle dans une voiture pour avoir de l'énergie mécanique. À chaque fois, on relâche du dioxyde de carbone et ce qu'on fait, c'est qu'on brûle tellement de ces combustibles qu'on commence à changer. Ça fait un moment déjà, mais on change la composition même de notre atmosphère. On rajoute de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à des niveaux qu'on n'a pas connus depuis des millions d'années. Un niveau de CO2 qui ont, par ce qu'on appelle l'effet de serre, une influence directe sur le climat de notre planète. Donc en fait, plus on piège le CO2 dans l'atmosphère, plus on relâche le CO2 dans l'atmosphère, plus on augmente la température de la planète parce qu'on piège de plus en plus de rayonnement solaire qui ne peut plus être réfléchi par l'atmosphère dans l'espace. Et ce qu'on voit, c'est une courbe, c'est ici deux courbes qui ont été publiées fin 2019, donc c'est des données extrêmement récentes. On voit l'évolution de la température moyenne du globe. Alors, soit en rouge sur les continents, soit en bleu sur les océans, et on voit une très forte augmentation de la température. On en est à peu près à plus 1,5 degré en moyenne continentale et plus 1 de plus 0,6-0,7 degrés en moyenne océanique depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup parce que on modifie de plus en plus le climat. C'est un effet qui est non linéaire. Le CO2 prend du temps à être dissipé dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est un miroir de ce qu'on a rejeté dans l'atmosphère il y a une trentaine d'années. On change le climat à tel point que si les choses continuent comme ça, on commence déjà à avoir une augmentation des effets extrêmes du type cyclone, du type sécheresse. Ça continue l'augmentation du niveau des océans, la fonte des glaces polaires. Si on continue comme ça, on estime qu'on dépassera assez allègrement le cap des 2 degrés. Donc la planète sera réchauffée de plus de 2 degrés d'ici 2050 si on ne fait rien. Et ça, c'était des courbes en moyenne. Donc, vous prenez les moyennes températures, que ce soit sur les océans ou sur les continents. La moyenne, c'est bien, mais ça ne vous donne pas vraiment une image de ce qui se passe. Une petite comparaison que j'aime bien, c'est que si on dit que si vous avez les pieds dans le four et la tête dans le frigo, en moyenne, tout va bien. En fait, cette carte-là vous montre, sur l'année 2019, donc c'est une moyenne sur toute l'année 2019, de la température locale, sur le globe. Donc, vous voyez qu'en rouge, vous êtes supérieur à la moyenne. C'est les moyennes prises sur les années entre 1950 et 1980. En rouge, vous êtes plus rouge, plus vous êtes chaud par rapport à la moyenne. On a des anomalies de température jusqu'à plus 7 degrés près des pôles, par exemple. Et plus vous êtes dans le bleu, plus vous êtes froid par rapport à la moyenne. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a un très fort réchauffement au niveau des pôles, que ce soit le pôle nord
ou le pôle sud. On a aussi une très forte augmentation au niveau continental. Les océans se réchauffent beaucoup moins vite parce qu'ils ont une inertie thermique beaucoup plus importante. On a des effets de courant, des effets de convection. La chaleur peut être en fait enfouie beaucoup plus profondément dans les océans. Donc ils ont une inertie thermique beaucoup plus importante. Ce qu'on remarque aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2019, en fait, les États-Unis, le nord des États-Unis, a connu une année plutôt plus froide que la moyenne des années 1950-1980. C'est en fait dû à ce qu'on appelle un vortex polaire, en fait un courant d'air arctique qui réussit à s'engouffrer jusque dans les États-Unis, dans la partie continentale, et qui en fait provoque des hivers extrêmement froids. Je vous souvenez peut-être l'année dernière sur la côte est américaine, l'hiver a été extrêmement froid, on en a beaucoup entendu parler aux infos. Et donc en fait sur l'année, la température aux États-Unis était en effet moins élevée qu'elle l'était en moyenne. Si vous vous souvenez aussi, on a le président des États-Unis, Donald Trump, parle souvent du réchauffement climatique comme d'une blague ou quelque chose qui n'existe pas. Malheureusement, l'année dernière, les données lui donnent raison, puisqu'aux États-Unis, et c'est seulement le cas aux États-Unis, c'était plutôt plus froid. Mais vous voyez que sinon ailleurs, vous voyez par exemple l'Europe de l'Est, on a déjà des anomalies de température qui sont extrêmement élevées par rapport à ce qu'on peut connaître en moyenne. Si on regarde les scénarios qui sont publiés par le GIEC, de l'évolution du climat, l'évolution des températures en fonction de l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre, donc principalement en équivalent CO2. Alors c'est un graphe qui est de 2015, mais la tendance n'a pas trop changé. Vous voyez qu'on est plutôt sur cette tendance de la courbe rouge. Alors vous avez plein de courbes pour chaque couleur, parce qu'à chaque fois vous avez différents scénarios. Le GIEC, ne fait pas des prédictions, mais fait des simulations en fonction de différents, scénarios qu'il considère comme réalistes. Si on reste sur la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle le scénario business as usual ou laissez-faire. On attend une très forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre. On est à peu près à 40 milliards de tonnes, d'équivalent CO2 rejetées par an dans l'atmosphère. On y reviendra après. Et on estime que si on est sur ce type de scénario, on aurait un réchauffement entre 3 et 5 degrés d'ici la fin du siècle, donc 80 ans, c'est quand même dans pas très très longtemps. Et donc ce qu'il faut absolument faire, c'est réussir à faire tourner cette courbe et diminuer nos émissions de CO2 si on veut avoir une chance de rester dans une gamme de température que les climatologues appellent comme acceptable, qui est de limiter le réchauffement climatique à une valeur de 1,5 degré, 2 degrés par rapport à ce qu'on connaît maintenant. L'idée est d'éviter d'avoir des effets incontrôlables ou des boucles de rétroaction qui se mettent en place. Dans tous les cas, le climat a déjà changé. On est déjà à plus de 20 degrés en moyenne plus chaud qu'il y a une centaine d'années. Donc le climat a déjà changé, mais l'idée, ça va être de faire tout ce qu'on peut pour limiter ce changement au maximum et éviter le pire. Une façon assez intéressante de regarder combien de temps il nous reste avant d'agir, c'est de regarder ce que le site Carbon Brief publie assez régulièrement, qui est le Carbon Countdown. C'est une sorte d'horloge qui vous donne quelle est la probabilité de rester sous une certaine température, sous un certain niveau de réchauffement climatique, en fonction de différentes suppositions. Et donc, ce que vous voyez, en fait, c'est trois scénarios différents, si on veut rester sous les 1,5 degrés, sous les 2 degrés ou sous les 3 degrés. Et ça vous donne une probabilité de rester sous ce seuil et le nombre d'années que vous pouvez continuer à vivre comme on vit à l'heure actuelle, donc avec les émissions qu'on a à l'heure actuelle. Alors quand je dis à l'heure actuelle, on va se placer il y a 6 mois parce que les choses ont un petit peu changé, on en reparlera. Mais si on continuait sur le rythme des émissions de 2018-2019, il nous restait entre 4 ans et 15 ans, et rappelez-vous, c'était en 2017, entre 4 ans et 15 ans pour rester sous les 1,5 degré, il nous restait entre 19 et 30 ans pour rester sous les 2 degrés. Et si vous acceptez de monter jusqu'à 3 degrés, vous avez un peu plus de temps, vous allez être 50 et 75 ans. Ça vous montre un peu l'urgence qu'il y a à agir, puisque pour rester sous les 1,5 degré, en fait, il nous reste seulement entre 4 et 10 ans pour vraiment faire quelque chose de sérieux. Sinon, vous commencez à augmenter encore la température et à prendre les risques qui vont avec. Si on regarde ça d'un point de vue émission, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des émissions pour rester sous les cibles, sous les 1,5 degré ou à peu près 1,5 degré de réchauffement climatique? Vous avez ici en noir l'évolution présumée des émissions sur les années qui viennent. Et deux scénarios, en bleu, ce qui se passe si on avait commencé à diminuer nos émissions de 5% par an à partir de 2018. Et en rouge, ce qu'il faudrait faire pour réussir à tenir le même scénario, si on commençait seulement à diminuer nos émissions à partir de 2025. Hein, et cette fois-ci, il faudrait plus diminuer 5% par an, mais de 10% par an. Donc évidemment, plus on attend
sur ces scénarios-là, plus on attend, plus il va falloir diminuer fortement nos émissions. 10% par an, c'est pas rien. Souvenez-vous qu'en plus, les émissions sont liées à la quantité d'énergie qu'on utilise et donc à la croissance économique. Donc, c'est des efforts qui sont assez conséquents. Mais déjà en 2018, il aurait fallu diminuer nos émissions d'à peu près 5% par an pour tenir cette trajectoire. L'idée, c'est que les émissions doivent diminuer d'un facteur pas loin de 8 d'ici 2050 pour arriver aux alentours de 2100 à zéro, à une neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on ne relâche pas de carbone dans l'atmosphère. Tout ce qu'on relâche est directement recapté dans la biosphère. Donc, il est clairement urgent de pas. Plus on attend, plus on a un problème, parce que plus on attend, plus il va falloir en fait ne pas diminuer gentiment, mais plus on a affaire à une falaise à travers laquelle il va falloir sauter pour diminuer extrêmement rapidement. 5% de réduction par an, à quoi ça correspond? Et en fait, si on regarde ce qui se passe en ce moment, l'économie mondiale est quasiment à l'arrêt, puisque à peu près la moitié de la population mondiale en ce moment est confinée, comme moi qui vous parle ici. Et on estime que les émissions de gaz à effet de serre cette année pourraient diminuer jusqu'à à peu près 5%, entre 4 et 5% cette année. Donc ce qu'on est en train de faire là, alors deux choses. D'une, ce sera la baisse d'émissions la plus importante qui a jamais été enregistrée depuis 70 ans. La Seconde Guerre mondiale avait fait baisser les émissions à peu près deux, après la guerre, on avait eu à peu près 2%, 2,5% de diminution. La récession des années 90, pareil, dans les 2% de baisse d'émissions. La crise financière de 2008, pardon, on était à peine sur 1,5% de diminution. Et après, sur un fort effet rebond, les choses ont fortement augmenté. Donc on est parti sur un scénario cette année où les émissions vont baisser fortement et le plus fortement qu'on a jamais connu. Mais c'est la baisse qu'on est censé faire à partir de maintenant jusqu'à 2050 si on veut être sérieux au niveau climatique. Donc vous voyez que ça représente en fait quelque chose d'énorme parce qu'il a fallu un changement majeur dans nos vies. Le fait qu'un virus soit suffisamment méchant pour qu'on doive tous se confiner, qu'on arrête toute l'activité économique du pays. On estime qu'à peu près 40% de l'activité économique de la France est à l'arrêt en ce moment. Il a fallu ce genre de choses pour que les émissions diminuent du facteur correct. Alors, d'où viennent ces émissions? Si on veut essayer de parler énergie et transition énergétique, il faut savoir un peu d'où viennent les émissions, quelles sont les sources de dioxyde de carbone qu'on émet dans l'atmosphère. Alors, je vous montre deux graphes ici. Le premier qui vient du site Our World in Data, qui classe les émissions par type de secteur. Donc, on va voir l'électricité et la chaleur. Donc, j'ai tout ce qui est génération de chaleur et d'électricité groupé. C'est en bleu. Vous voyez que c'est à peu près 40% des émissions mondiales, même 49%, proviennent du secteur de l'énergie, donc la production d'énergie directe, que ce soit les productions électriques, mais aussi la production de chaleur pour tout ce qui est aciérie, pour tout ce qui est cimenterie, pour tout ce qui est métallurgie, pour ce qui est aussi par exemple la production d'ammoniac, etc. Tout ce qui nécessite des processus à haute température, c'est aussi compté là-dedans. Et ça correspond à peu près à 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Le transport est un autre domaine extrêmement important, l'industrie. Et ensuite, vous allez dans la barre jaune correspond à tout ce qui est bâtiment résidentiel et commercial, par exemple. Si on regarde sur le graphe de droite, on voit que les émissions proviennent de quatre sources majeures. Le charbon, qui fait à peu près 40% des émissions à lui tout seul, donc la combustion du charbon, principalement pour produire de l'électricité, mais aussi, on le verra plus tard, pour produire de l'acier. Le pétrole, qui fait à peu près 30% des émissions, et le gaz naturel. Ce sont les trois combustibles fossiles majeurs qu'on utilise et qui émettent le plus de CO2. Ce qui est aussi montré sur ce graphe et qui est intéressant, c'est la production de ciment. Pourquoi on parle du ciment? Parce qu'en fait, vous utilisez de la chaux que vous faites réduire à très haute température et vous émettez du dioxyde de carbone directement. Et le ciment, on utilise énormément, on utilise de plus en plus pour la construction et donc c'est aussi une source d'émissions qui est extrêmement élevée. C'est toujours un petit peu délicat. Si on regarde au total, en 2019, on a émis à peu près 42 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ça parle pas à grand monde, c'est extrêmement difficile de se rendre compte de ce à quoi ça correspond. C'est un gaz, on n'en se rend pas bien compte. On peut parler en termes de masse de carbone. Si on veut transférer la masse de carbone qu'on relâche dans l'atmosphère par rapport à la masse de CO2, on a un facteur 3,6, donc on diminue les 42 milliards de tonnes par 3,6. On émet par an, on brûle par an l'équivalent de 12 milliards de tonnes de carbone qui relâche l'équivalent en CO2.
Même ça parle pas vraiment beaucoup. Je sais pas si vraiment parmi nos auditeurs, quelqu'un sait ce qu'est 1 milliard de tonnes de carbone. Donc une façon de regarder ça, en fait, c'est si vous considérez un cube de carbone, un cube de, on va dire, de charbon, qui va faire 5 cm par 5 cm par 5 cm, c'est à peu près la taille d'un Rubik's cube avec lequel vous jouez ou avec laquelle vos enfants pourraient jouer. Il faut se rendre compte que si vous considérez un cube de cette taille-là, on en brûle dans le monde à l'heure actuelle 1,35 million par seconde. C'est la quantité de carbone qu'on brûle dans le monde en brûlant des combustibles fossiles. Donc ça permet de donner un petit peu une idée des quantités énormes de matériaux dont on parle. Et donc quand vous entendez parler par exemple de séquestration de carbone ou des choses comme ça, il faut toujours garder en tête les ordres de grandeur et la quantité de matière en fait dont on parle. Et ces quantités qui sont absolument gigantesques. Et si on voulait capter tout ce carbone et le repomper dans la biosphère, c'est extrêmement compliqué parce qu'on parle de chiffres qui sont extrêmement élevés. Si on regarde un peu plus en détail les sources d'émissions, la plus grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, CO2, pardon, c'est les centrales à charbon, donc les centrales électriques. Une très grosse partie de notre électricité provient encore du fait de faire bouillir de l'eau en utilisant du charbon. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement facile, le charbon c'est pas très cher, il y en a un peu partout, beaucoup de pays en ont, et la Chine par exemple a énormément d'électricité au charbon, nos voisins allemands aussi. Ça représente à peu près 21% des émissions mondiales. Si vous prenez ensuite les centrales électriques qui sont à gaz ou au fioul, on est à 7%, on produit beaucoup moins d'électricité par le gaz. Un autre gros secteur, ça va être le secteur des transports, vous allez avoir à peu près 14% des émissions, alors c'est des chiffres pour 2016, mais ça n'a pas trop changé. 14% des émissions vont venir du transport, à peu près 6% pour la voiture individuelle, 4% pour les camions, 2%, 2 à 3% pour le transport maritime et 2% pour l'aviation. Et l'autre très gros secteur, ça va être l'élevage intensif et l'agriculture, que ce soit la production par exemple d'intrants, d'engrais, etc., qu'on produit à partir de l'ammoniac, mais aussi l'élevage intensif pour la nourriture, que ce soit des bovins ou des porcs, qui relâchent énormément de gaz à effet de serre. Vous allez aussi avoir évidemment la déforestation, qui est à peu près 10% des émissions. Tout ce qui est électricité, commodité, les bâtiments, on est à peu près sur 5%, etc. Donc ce genre de graphe vous permet en fait de voir tout de suite quels sont les leviers d'action qu'il faudrait actionner. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est diminuer la production électrique par le charbon, trouver autre chose pour générer de l'électricité. Si possible, vous vous occupez aussi des centrales à gaz et au fioul, puisque les deux cumulés font à peu près 28%. On va vouloir s'occuper de l'agriculture, et c'est tout le débat autour de la consommation de la viande et d'une agriculture moins intensive, qui utilise moins d'intrants. Et évidemment, ce qui est extrêmement populaire en ce moment, vu les problèmes qu'a l'aviation, c'est les transports, comment on décarbone les transports. Ce qui est important de regarder, encore une fois, c'est les quantités dont on parle et aussi le nombre de secteurs sur lesquels il va falloir travailler. Donc, c'est bien de se concentrer par exemple sur l'énergie. Vous allez avoir une trentaine de pourcents des émissions qui viennent de l'énergie, mais ce n'est pas suffisamment. C'est pas suffisant, il faudra agir sur tous les leviers d'action en même temps. Et c'est là qu'on parle en fait de transition énergétique, c'est de tourner le dos aux combustibles fossiles. C'est en fait, et c'est pour ça que j'utilise cette image, passer d'un monde qu'on s'imagine sale, pollué et dont le climat a beaucoup changé, à quelque chose qu'on imagine souvent vert. Le vert est souvent utilisé pour ça. Vous entendez souvent le terme d'énergie verte. Et je pense qu'on y reviendra la semaine prochaine pendant le débat. Et donc quelque chose où l'énergie qu'on utilise ne produit pas de CO2 et nous permet de vivre de façon heureuse sans avoir besoin de se soucier de l'évolution de notre climat. La transition énergétique, c'est quelque chose, c'est un très vieux concept, et c'est intéressant en fait de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Avant de regarder ce qu'il faut faire dans les 30 prochaines années, il est intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, et de voir un peu comment les approvisionnements en énergie ont changé au cours du temps. Donc si on reprend les données depuis 1800, on arrive à avoir des données à peu près fiables, jusqu'à nos jours. Au début des années 1800, la majeure partie de l'énergie primaire provenait de la biomasse, du bois, de la paille et tout ce qu'on pouvait trouver brûlé. On a ensuite eu une transition vers le charbon. La domination du charbon est arrivée en même temps que plus ou moins en même temps que la révolution industrielle. La quantité, principalement par exemple la propagation des machines à vapeur, qui était au début alimenté par du charbon. Et on est assez vite passé d'une ère où la biomasse était dominante à une ère où le charbon était dominant. Au début des années 1900, à peu près 50% de l'énergie primaire venait du charbon. On a ensuite eu l'émergence du pétrole,
qui s'est fortement développé après la Deuxième Guerre mondiale, qui a commencé bien avant, mais qui a vraiment eu un boom après la Deuxième Guerre mondiale, et plus tardivement du gaz naturel, qui est encore en augmentation, quelque chose de plus difficile à tourner. Et ensuite, ce qu'on voit sur le haut du graphique, eh bien, c'est les autres sources d'énergie. On parle ici en énergie primaire. Donc, vous avez le nucléaire, vous avez l'hydroélectrique, vous avez le solaire, vous avez les autres types de renouvelables. Alors, souvent, on a tendance à présenter ça comme une évolution linéaire ou une évolution toujours dans le sens du progrès. On a tendance à penser ou à raconter le fait qu'on est passé de la biomasse au charbon parce que le charbon a une densité énergétique bien plus élevée et donc naturellement on s'est tourné vers ça. Pareil pour le pétrole parce que ça a une densité encore plus élevée et surtout c'est transportable donc ça a permis l'émergence des transports. En fait, c'est pas tout à fait vrai et c'est même intéressant de voir que c'est pas vrai du tout. Le charbon, par exemple, au tout début en Angleterre, c'était quelque chose qui n'était pas très bien vu parce que le charbon ça fait énormément de poussière donc les particuliers voulaient pas vraiment l'utiliser pour se chauffer, c'était pas très pratique. On peut voir aussi dans les études historiques qu'il y a eu une très forte résistance de la biomasse, que ce soit même pour la sidérurgie ou pour d'autres domaines industriels au début. Donc, je sais pas, il y a toujours, quand on parle de transition énergétique, une conjonction de facteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, et aussi technologiques, qui vont faire en sorte en fait, que vous passez d'un combustible à l'autre. Donc, si on regarde en fait ce graphe de cette façon-là, donc c'est en proportion, j'aurais dû dire, c'est en proportion d'utilisation, en proportion d'énergie primaire, on voit effectivement clairement trois transitions énergétiques, de la biomasse au charbon, du charbon au pétrole et du pétrole, là pour l'instant vers le gaz, même s'il y a en fait à trouver de nouvelles façons de produire de l'énergie et à les ajouter à ce qu'on avait déjà. Et ce qui est intéressant, par exemple, de regarder sur l'émergence du charbon, on voit qu'à partir de 1850, on commence à voir le charbon qui devient visible par rapport à la biomasse. Et en fait, on voit que la quantité de biomasse utilisée n'a pas vraiment changé dans le temps. Elle est même à l'heure actuelle plus élevée qu'elle pouvait l'être dans les années 1850. Et donc, on voit que le charbon s'est additionné tout simplement à ce qu'on avait déjà avant. Donc, on produit plus d'énergie, mais on n'a pas vraiment remplacé quoi que ce soit. On a changé les usages. Pareil, quand le pétrole en bleu est apparu, on a ajouté le pétrole à ce qu'on avait déjà, on n'a pas vraiment remplacé, encore une fois on a des nouveaux usages, on transforme des usages, mais globalement, à chaque fois on ajoute, le gaz naturel est venu au-dessus, le nucléaire, etc. Donc en fait, si on regarde ça, quand on parle de transition énergétique, il n'y en a jamais eu, on n'a jamais fait ce qu'on est censé faire maintenant, qui est en fait de prendre ces petites parts qui sont tout en haut, qui sont les renouvelables, le solaire, le nucléaire, l'hydraulique, etc., selon ce qu'on veut installer, et faire en sorte que ces petites barres, elles deviennent en fait majeures, hein. Elles remplacent tout le reste, elles ne viennent pas en addition. Il faut qu'on arrive à faire diminuer fortement la consommation de gaz naturel, de pétrole et de charbon en développant d'autres sources d'énergie. Donc on est sur quelque chose qui, d'une, n'a jamais été fait et qui doit être fait plus ou moins dans les 30 prochaines années si on veut être sérieux. Donc tout de suite, ça vous donne deux choses qui vont être extrêmement difficiles et dont on ne discute pas toujours quand on parle d'intemporalité, c'est qu'il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et donc, ça nécessite de développer toute une infrastructure nouvelle, si on veut être sérieux et tourner le dos au combustible fossile, et dans une échelle de temps qui ne s'est jamais vue. Et on peut même se poser la question de savoir si on a même commencé à décarboner notre énergie. Donc, sur ce graphe, ce que je montre, c'est la proportion d'énergie primaire qui provient, des combustibles fossiles en noir. Et la proportion qui provient du charbon en rouge, du gaz naturel en rose et du pétrole en bleu. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 1970 jusqu'à près 2015, on est resté à peu près à 80% d'énergie primaire provenant de sources fossiles. On a eu une petite diminution, peut-être de 1970 à maintenant, de 2 à 3%. Mais en fait, si on regarde en quantité totale, comme on consomme de plus en plus d'énergie, même si la fraction de combustibles fossiles qu'on utilise a légèrement diminué de quelques pourcents, on a multiplié par 2 notre consommation énergétique. Donc au total, on utilise toujours plus de carbone. À droite, c'est le même graphe, mais pour l'électricité. Et on voit que pour l'électricité, c'est même pire. La fraction de combustibles fossiles qu'on utilise pour l'électricité a fortement augmenté au fur et à mesure du temps, et c'est principalement l'effet Chine, l'essor de la Chine et leur utilisation massive de charbon sur ces dernières années. Maintenant, on va voir l'émergence de l'Inde, etc. Ce qu'on voit aussi sur le graphe de droite, c'est que les renouvelables en rose commencent timidement à monter en fraction, mais ça reste très faible.
L'hydroélectrique reste plus ou moins constant, légèrement en diminution. Le nucléaire a connu une très forte augmentation et on y reviendra dans les années 1970. Et on observe un plateau ou une légère diminution. Donc, ce qui est important, en fait, surtout de retenir ici, c'est quand on parle de décarboner notre énergie, en fait, on n'a toujours pas commencé de le faire, puisqu'en quantité globale, on utilise toujours plus de combustibles fossiles maintenant, alors on va dire 2019, qu'on en utilisait en 1970. Donc on n'a même pas encore commencé à faire ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire de décarboner la façon dont on utilise l'énergie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans l'histoire à quelle vitesse se sont fait les transitions énergétiques, ou plutôt les émergences énergétiques, à quelle vitesse différentes sources d'énergie primaire se sont installées sur le marché. Václav Smil, qui est un très grand théoricien de l'énergie, qui est tchèque et qui habite au Canada, a beaucoup étudié ça. Il utilise le métrique suivant. Il regarde à quel moment une source d'énergie primaire a atteint 5% du marché global, et il regarde en fait en fonction du nombre d'années que ça a pris pour arriver jusqu'à une certaine fraction. Pour le charbon, on voit qu'il a fallu entre 1840 et 1900, il a fallu à peu près 40 ans ou 50 ans pour qu'on passe de 5% à 40% du marché. Pour le pétrole, en 50 ans, on est passé, si on parle de 1915, on était à 5% de l'énergie primaire venant du pétrole, on est passé de 5% à 30% en 50 ans. Pour le gaz naturel, en 50 ans, on est seulement passé de 5% à 20%. Donc, ce qu'on voit, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On voit que c'est de plus en plus lent, en fait, pour qu'un nouveau combustible émerge. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est qu'on utilise de plus en plus d'énergie, donc la base est de plus en plus grosse. Donc, si vous voulez représenter une certaine fraction du marché, le marché augmente. Donc, ça prend de plus en plus de temps pour atteindre un certain pourcentage du marché. Et il y a aussi une autre difficulté qui est une difficulté technique. Au tout début, que ce soit le pétrole ou le charbon, c'était extrêmement facile d'en trouver. On n'avait pas besoin de creuser beaucoup. En Angleterre, ils creusaient à très faible profondeur au tout début pour trouver du charbon. Pareil pour le pétrole, vous avez tous les images de geysers dans les années 1900 aux États-Unis. Vous creusiez un peu et ça jaillissait. Maintenant, on en est à creuser à des kilomètres sous terre, voire même sous les océans. Donc la difficulté technique augmente. Le gaz naturel représente une difficulté technique encore plus importante parce que le transport est extrêmement compliqué. Soit vous avez des énormes pipelines pour le transformer, pour le passer d'un endroit à l'autre sous forme de gaz légèrement comprimé. Et donc vous avez besoin d'une infrastructure compliquée et vous ne pouvez pas passer à travers un océan, par exemple. Ou alors vous allez devoir liquéfier le gaz naturel, qui est aussi extrêmement compliqué parce qu'il faut le refroidir à des températures cryogéniques pour qu'il devienne liquide, sa densité augmente et ça vous permet de le transporter, mais tout en le réfrigérant et en limitant au maximum les pertes. Alors il y a beaucoup de gens qui ont essayé de regarder un peu les temporalités justement des substitutions d'énergie. Est-ce qu'on pouvait théoriser un peu les choses et prédire pourquoi une transition énergétique prenait du temps? Un des premiers modèles qui existent est le modèle de Marchetti qui a été fait dans les années 1970, publié en 1977, et on voit tout de suite que ça a été... ça a été initié par le crash pétrolier des années de 1973, de la crise pétrolière, pardon, de 1973 et ensuite celle de 1979. Et ce qu'ils ont regardé, donc eux, ils étaient spécialisés en recherche en regardant les substitutions au niveau technologique. Combien de temps mettait une nouvelle technologie pour s'imposer sur le marché? Et ils ont regardé, utilisé le même modèle pour voir s'ils pouvaient reproduire ce qui se passait sur le marché énergétique. Alors, leur graphe est un peu compliqué, je ne vais pas aller en détail, mais déjà dans leurs études à l'époque, dans les années 80, ils avaient vu qu'en effet, une transition énergétique passait par exemple de la courbe noire à la courbe marron ou de la courbe marron à la courbe rouge, ça prenait beaucoup de temps, ça prenait entre 30 et 50 ans. Et en fait, d'une part, ils ont négligé l'hydroélectrique dans leur modèle, ce qui a aussi un peu biaisé les choses. Mais leur modèle faisait un boulot plutôt correct. Si on regarde la courbe noire jusque dans les années 1970 pour le charbon, ensuite on voit que le charbon est resté plus ou moins plat. Pareil, le pétrole, ils avaient prédit un pic dans les années 1990 et en fait il n'a pas observé sous cette forme. Et en fait, ce qui était assez rigolo dans leur modèle, c'est qu'ils avaient dû supposer que dans les années 2000 apparaîtrait une technologie qu'ils ont appelée Solfus, qui était un mélange de solaire et de fusion. Qui devait émerger dans les années 2000 pour devenir majoritaire dans les années 2100, hein, pour pouvoir faire converger le modèle jusque-là.
Mais c'était la première indication qui aurait dû déjà montrer de façon quantitative qu'une transition énergétique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend énormément de temps pour être mise en place. Et une des raisons pour ça, et on va en parler juste après, c'est au niveau technologique. En fait, si on regarde pour le gaz naturel, on a dit qu'en fait le gaz était extrêmement compliqué à transporter. Le gaz a une densité d'énergie assez faible à l'état gazeux, parce qu'il a une densité assez faible. Il faut le compresser pour augmenter sa densité. 1850, des années 1850 à 1900, c'est un peu l'âge d'or des inventions. Quasiment tout ce qui nous entoure a été inventé ou presque dans ces années-là. On peut penser au moteur à combustion interne, à la turbine à gaz, mais aussi par exemple à la liquéfaction du gaz. Donc le procédé Joule-Thomson de liquéfaction des gaz a été inventé en 1850. C'est un principe de compression-détente. On refroidit le gaz par différentes étapes pour le liquéfier et pouvoir le transporter. Entre l'invention dans les années 1850 et le premier brevet de liquéfaction de gaz qui a été fait par Linde, une compagnie allemande, il a fallu 40 ans. Entre le moment où on a eu un brevet pour liquéfier des gaz et le moment où on a eu les premiers transports de gaz, il a fallu une trentaine d'années de transport de gaz sous forme liquéfiée. Et en fait, on voit que seulement maintenant, dans les années 2010, le gaz naturel liquéfié représente à peu près 25% de tous les échanges en gaz. Donc c'est encore une minorité, mais ça devient une part assez massive. Il a fallu à peu près 150 ans, 170 ans, pour arriver au point où le gaz naturel liquéfié avait une place dominante ou une place importante dans le marché de l'énergie. Donc encore une fois, ça montre qu'une transition énergétique, ça dépend aussi de développements technologiques qui peuvent prendre énormément de temps et qui prennent de plus en plus de temps au plus vous utilisez des technologies compliquées. Un article qui est extrêmement intéressant et qui a pas mal marqué les discussions sur la transition énergétique a été publié en 2009. Et en fait, il essayait de regarder, c'est une réponse directe, 2009, c'est l'époque où le film de Al Gore est sorti, et Al Gore, dans son américanitude, dans sa façon d'être américaine, pensait que la transition énergétique, ça dépendait simplement de la quantité d'argent qu'on allait injecter sur le marché, et que si on avait suffisamment de moyens financiers, la transition énergétique pouvait être extrêmement rapide. Et on peut retrouver des entretiens à l'époque où il pensait qu'en une vingtaine, une trentaine d'années, on aurait une énergie qui proviendrait principalement des renouvelables et qu'on n'aurait pas à s'inquiéter si on mettait les moyens. Et en fait, il y a deux chercheurs de Shell, une compagnie pétrolière, qui ont essayé de regarder ça un peu plus en détail et à regarder la vitesse à laquelle différentes technologies de l'énergie se déployaient. Et ils ont regardé, le graphe est un peu compliqué, mais vous avez en rouge l'essor du nucléaire, vous allez commencer dans les années 1960-1970. Vous avez en bleu le gaz naturel dont on vient de parler. Vous avez ensuite les biocarburants en rose. Et en vert et jaune, vous allez avoir le solaire, pardon, l'éolien en vert et le solaire, le photovoltaïque en jaune. Ce qu'on remarque en fait, et c'est ce qu'ils ont postulé, c'est qu'il y a deux lois qui définissent le déploiement d'une technologie énergétique. Vous avez une première phase qui est exponentielle. Vous avez un développement très rapide, un doublement quasiment tous les ans et demi de la capacité installée dans les premières années. Donc vous commencez sur une phase extrêmement rapide et exponentielle. Et tous ceux qui suivent un petit peu le marché de l'énergie savent qu'on parle encore, par exemple, de la croissance exponentielle de l'éolien ou du solaire. Mais le nucléaire, ce que vous voyez en rouge, l'a aussi connu. Et ça se produit jusqu'à ce qu'on arrive à une part de marché qui dépasse un peu le pourcent. Vous avez 1%, 2%. Les auteurs appellent ça la matérialité. En fait, la technologie commence à prendre de la place sur le marché. Quand vous êtes à bien moins que 1%, en fait, personne ne vous remarque. Vous pouvez augmenter très fortement la capacité de production, vous embêtez pas le réseau, personne remarque vraiment que vous avez produit quoi que ce soit. Quand vous dépassez 1% ou 2%, là vous commencez à devoir prendre la place de technologies qui existent parce que vous commencez à devenir un acteur majeur d'un marché. Et ce que remarquent les auteurs, c'est qu'en fait c'est le moment où la croissance exponentielle s'arrête et on a une croissance qui est beaucoup plus lente et un développement qui est beaucoup plus lent et qui est une phase plutôt linéaire. Et en fait, ils se sont posé la question intéressante de savoir est-ce qu'on peut accélérer le déploiement du coup d'une énergie maintenant qu'on sait qu'il y a deux phases. On pourrait se dire, la phase exponentielle, il suffit de mettre plus d'argent, de dépenser plus d'argent pour la faire accélérer. Et en fait, non, parce que ce qui se passe dans cette phase exponentielle, c'est que vous développez la technologie, mais vous développez aussi l'industrie qui est capable de déployer cette technologie. Et pour ça, vous avez aussi besoin de former des gens, vous avez besoin de construire des usines, et ça ne se fait pas instantanément. Donc en fait, vous êtes limité là non pas par la quantité de capitaux qui est disponible, mais par la quantité de savoir-faire, par le fait que vous apprenez en faisant, à chaque fois vous améliorez un peu,
et vous avez différentes générations de systèmes qui se succèdent, qui doivent être testés un certain temps pour pouvoir être remplacés, pouvoir être améliorés, etc. Donc c'est pas une histoire d'argent, vous avez une limite en fait de la quantité de capitaux que vous pouvez injecter dans cette phase et vous ne pourrez pas aller plus vite. Dans la deuxième phase, la phase linéaire, on arrive sur une autre problématique qui est que si vous voulez que votre technologie prenne plus de place, il va falloir faire en sorte que d'autres technologies ferment. Si vous voulez pas augmenter évidemment la consommation. Donc si vous voulez rester à consommation constante, vous prenez la place d'autres technologies, donc il va falloir que d'autres technologies soient fermes, soit acceptent de produire moins. Et on peut penser par exemple à ce qui se passe en Chine. La Chine, entre les années 2005 et 2014, elle mettait sur le réseau à peu près 40 à 50 centrales à charbon par an. Donc en fait, chaque année, la Chine, entre 2005 et 2014, mettait sur son réseau autant de capacités électriques que nous, on en a en France à l'heure actuelle. Ce qui me donne un peu une idée de l'échelle dont on parle. Une centrale à charbon, ça vaut entre 1 et 2 milliards d'euros, même en Chine. C'est pas quelque chose que vous allez, on parle de centrale d'un gigawatt, hein, une grosse centrale. C'est pas quelque chose que vous allez remplacer trop vite. Si vous venez de l'installer, vous venez d'installer une centrale en 2015, pas parce qu'en 2019 vous avez une technologie intéressante que vous allez vous asseoir sur tout l'argent que vous avez dépensé pour ces centrales. Et donc cette phase linéaire de développement est limitée par ça, par le vieillissement d'autres installations et le taux de remplacement de ces installations. Donc là, vous pouvez effectivement aller plus vite, mais du coup, vous perdez énormément sur ce que vous avez investi qui n'a pas encore été amorti. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que ces deux lois s'appliquent très bien à toutes les technologies qu'on peut connaître, ce qui montre que ceux qui extrapolent pour n'importe quelle technologie, on peut parler du solaire ou de l'éolien, qui extrapolent des courbes exponentielles pour dire que dans 15 ans, on aura 50% de l'électricité éolienne ou solaire, ils oublient une chose, de la planète, c'est extrêmement long de transiter d'un moyen de production énergétique à un autre parce que vous avez beaucoup de contraintes à prendre en compte. À l'échelle locale, il existe des transitions extrêmement rapides et on va regarder quelques exemples. Alors c'est un graphe un petit peu compliqué, mais c'est l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas, dans les années 1950-1960, ils dépendaient à très forte proportion de charbon et de pétrole. Donc on est sur la partie gauche de la courbe. 1959, ils découvrent ce qu'ils appellent un super champ gazier, qui est le champ de Groningen. Et donc à partir de là, ils ont seulement très peu de gaz sur leur réseau. De 1960 à peu près, donc de 1959 à 1970, 72, ils passent de rien en gaz à 30% de leur énergie primaire qui est fournie par du gaz. Ils sont arrivés jusqu'à 46% de leur énergie primaire fournie par ce champ gazier dans les années 1975. Et ensuite, on voit un plateau et une légère diminution avec l'essor du pétrole. Donc, à l'échelle d'un pays, oui, c'est possible, vous pouvez transiter extrêmement rapidement. Seulement, les Pays-Bas, c'est un pays de 20, si je ne me trompe pas, 26 à 30 millions d'habitants. C'est un pays qui est assez petit. Et donc, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement sur ce genre de choses. Si on regarde la France, qui est souvent montrée comme un exemple, pareil. Alors, la France, déjà, c'est assez intéressant de regarder que jusque dans les années 1920, très tard, en fait, jusqu'à les années 1940, on dépendait principalement du charbon. Donc, la transition, le moment où on a arrêté le charbon est venu assez tard. On a eu un essor du pétrole que vous voyez en gris. Et surtout, et c'est ce dont on va parler, à partir des années 1960-1970, on a eu un très fort essor du nucléaire, qu'on va regarder en détail. Donc, ici, on s'intéresse principalement seulement à l'électricité. Donc, je vous ai montré la proportion d'électricité fournie par le nucléaire, l'énergie fossile, l'hydroélectrique et les renouvelables de type solaire et photovoltaïque. 1974, c'est le lancement du programme nucléaire, du grand plan nucléaire français, qui consiste à électrifier autant que possible l'infrastructure énergétique. Il y avait déjà un peu de nucléaire avant, donc on ne partait pas de zéro. Mais c'est à partir de là qu'on a vraiment lancé la fabrication de quasiment tous les réacteurs qu'on a à l'heure actuelle. Et ce qu'on voit, c'est que de 1974 à 1990, on va dire, à 1995, on est passé de rien à 415 TWh d'électricité générée par l'électricité à atteindre entre 75 et 80% d'électricité. Donc là encore, c'est allé extrêmement rapidement. C'est un programme un programme qui a été décidé par l'État, et on a transité la production électrique extrêmement rapidement du charbon vers le nucléaire. Alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que ça s'est accompagné par une très forte
augmentation de la consommation électrique. Donc c'est une transition, mais avec une augmentation de consommation. C'est le graphe de droite qui vous montre la production électrique totale, enfin pour le nucléaire et pour différentes sources. Et vous voyez qu'on a une augmentation totale de la production d'électricité. Donc on a transité très fortement, et c'est très bien, mais en même temps on a très fortement augmenté l'utilisation. Alors j'aurais pu vous parler de l'Allemagne, parce qu'on parle souvent de la transition allemande comme un mauvais élève. En fait, j'ai plutôt regardé un bon élève qui est l'Angleterre, qui a décidé de se passer très rapidement du charbon en augmentant sa part de renouvelables, en essayant de conserver au maximum du nucléaire. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé de plus rapide pour transiter du charbon, c'est d'augmenter la part d'énergie qui est produite par le gaz. Donc si vous voyez ce graphe-là, dans les années 1990, une fraction dominante de leur électricité, c'est l'électricité dans ce cas-là provenait de la combustion du charbon. On a une lente diminution jusqu'à les années 2000, un plateau dans les années 2000-2010. Et déjà à ce moment-là, vous voyez en fait entre 1990 et les années 2005 une forte augmentation de la capacité de production au gaz. Et ensuite, des années 2010, l'Angleterre décide de tourner le dos au charbon. Vous voyez une très forte baisse et très rapide. On a quasiment en 2019 plus de charbon du tout. Vous voyez une forte expansion des renouvelables, mais un maintien du nucléaire. Donc c'est l'inverse de ce qu'a pu faire l'Allemagne, qui a décidé d'essayer de se passer du nucléaire et qui a dû augmenter en fait sa production de charbon. Ce qui est intéressant, pourquoi l'Angleterre est passée par le gaz. Le gaz, c'est extrêmement facile à déployer. Des turbines à gaz, on en fait jusqu'à plus d'un gigawatt maintenant. C'est extrêmement fiable, ça se fabrique assez rapidement. Et c'est quand même une technologie qui est légèrement plus propre que le charbon. Donc vous diminuez votre empreinte carbone si vous brûlez du gaz naturel plutôt que du charbon. Si on compare du coup les émissions de CO2 de différents pays sur les années 2005 à maintenant, on voit en fait comment les différentes politiques énergétiques ont influé les émissions. Donc on va comparer plusieurs choses. Le meilleur élève, c'est l'Angleterre, qui a diminué ses émissions de à peu près 23% depuis 2005. Donc c'est la plus forte diminution qu'on a sur ces quatre pays ici. Donc j'ai ici l'Angleterre, les États-Unis, la France et l'Allemagne. Les États-Unis, qui n'ont pas forcément une politique très volontariste, ont diminué leurs émissions de à peu près 13% depuis 2005. L'Allemagne de 15% et la France d'à peu près 20%. Alors, ce qu'il faut noter pour la France, c'est qu'on partait d'un niveau beaucoup plus bas puisqu'on a une énergie assez décarbonée. Donc c'est toujours beaucoup plus difficile de diminuer si vous partez déjà d'un niveau assez bas. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'Allemagne a investi à peu près 400 milliards d'euros pour sa transition énergétique, ce qu'on appelle l'Energiewende, qui a commencé dans les années 2000, pour diminuer ses émissions d'à peu près 15% depuis 2005. Les États-Unis n'ont rien fait ou presque. Ils n'ont pas eu de politique volontariste à ce niveau-là. Ils ont les mêmes performances. Alors on pourrait se demander pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a eu le boom des gaz de schiste qui a inondé le marché de gaz naturel assez peu cher. En parallèle, on avait un vieillissement des centrales à charbon. Et donc, en fait, naturellement, le marché, la force du marché a fait qu'on a délaissé le charbon pour augmenter la part de production d'électricité par le gaz. Le gaz émet moins de CO2, donc on est assez efficace. Donc, ça sert remarquable dans ces exemples de voir qu'en fait, avoir laissé faire le marché comme l'a fait les États-Unis et utiliser son gaz de schiste a été aussi efficace que ce qu'a fait l'Allemagne en étant très dirigiste. Alors, le but de cette première partie, c'est donc de montrer en fait l'échelle du problème, la taille du problème, et surtout de vous donner une idée de ce qui définit la temporalité. Donc normalement, à partir de ce moment-là de la présentation, vous avez déjà une idée du fait que quand on parle de décarboner complètement notre production d'énergie dans les 30 années qui viennent, eh ben, on se heurte à quelque chose qui est extrêmement difficile parce que le marché de l'énergie est maintenant extrêmement gros. On a à peu près 18 000 gigawatts de puissance, enfin de consommation, de puissance consommée dans le monde à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement gros et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait puisqu'il faut qu'on fasse maintenant de la substitution, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, parce que quand on commence à parler de ça, on parle tout de suite de quelle technologie utiliser. En fait, ce que je vais essayer de vous montrer dans les planches qui viennent, c'est sur quels critères on devrait commencer à discuter avant de voir quelle technologie utiliser. Donc il paraît évident qu'on veut des technologies qui émettent peu de carbone, puisqu'on veut limiter nos émissions de carbone, mais il faut aussi voir ce que différentes technologies ont comme impact et comme potentiel, si on veut voir leur intérêt.
Donc la première chose qui est extrêmement importante de regarder, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique, le TRE. C'est l'énergie qui va être effectivement apportée à la société par votre technologie, divisée par l'énergie que vous allez investir pour obtenir cette énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour n'importe quelle technologie énergétique, déjà la seule chose que vous faites, c'est vous convertissez de l'énergie d'une forme à l'autre. Donc vous devez construire un convertisseur. Construire ce convertisseur, ça prend de l'énergie, donc ça enlève une partie de l'énergie que vous auriez pu produire. On peut par exemple penser à l'exemple du pétrole. Pour récupérer du pétrole, il faut aller l'extraire. Vous allez devoir dépenser de l'énergie pour extraire le pétrole. Et ensuite, vous allez effectivement apporter de l'énergie à la société. Donc vous devez prendre en compte l'investissement que vous avez eu pour obtenir de l'énergie au départ. Alors, le TRE, c'est une valeur qui est extrêmement simple, on pourrait penser à calculer, parce que c'est un rapport de deux valeurs. En fait, c'est très compliqué, parce que d'une, les données à différents niveaux sont extrêmement compliquées à obtenir, et aussi, en fait, il y a différents types de retours énergétiques, selon que vous parlez du taux de retour énergétique au puits, ce qu'on appelle juste à la sortie de puits, donc à la sortie d'un puits de pétrole, par exemple, ou d'un puits de gaz, ou à la sortie d'une centrale. Si vous prenez la case électricité, donc si vous voulez regarder le TRE d'une technologie de production de l'électricité, ben vous allez prendre en compte la conversion et la distribution si vous voulez regarder jusqu'à la distribution. Donc vous allez pouvoir trouver différentes valeurs en fait dans la littérature selon le champ qui est couvert pour ces différentes valeurs. Donc vous allez voir en fait, et je vous montrerai quelques valeurs, quelques personnes me diront sûrement qu'ils ont trouvé d'autres valeurs, les valeurs qu'on trouve dans la littérature peuvent varier énormément parce que les champs d'études peuvent être extrêmement différents. Pourquoi le TRE c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, ça définit la quantité d'énergie nette qui est disponible. C'est-à-dire que vous dépensez de l'énergie pour essayer d'en récupérer, et vous allez vouloir en récupérer beaucoup plus que vous en avez investi, sinon ça ne sert pas à grand-chose. On peut prendre l'exemple d'un animal et d'une proie, parce qu'en fait, le TRE s'applique bien dans la nature aussi. Si un animal chasse une proie, il va falloir que la proie lui apporte beaucoup plus d'énergie que lui, il en a fallu pour la chasser, parce que l'animal va devoir compenser le fait qu'il ne va pas attraper une proie à chaque fois, il va falloir qu'il nourrisse sa famille, il va falloir qu'il arrive à se reproduire, etc. Donc il a besoin en fait de récupérer beaucoup plus d'énergie que simplement celle que son métabolisme a utilisée pour récupérer la proie. Et c'est ce que Charles Hall, un Américain qui est un biologiste, a voulu essayer de capturer dans ce concept de TRE, et il est arrivé à cette pyramide des besoins énergétiques, qui montre qu'en fait, vous avez besoin de satisfaire des besoins de base avant de pouvoir faire des choses plus évoluées. Un exemple concret, si vous prenez du pétrole, vous extrayez un baril de pétrole de terre. Si vous faites juste l'extraire et vous le regardez, vous êtes à un TRE de 1,1 pour 1. Vous avez besoin de 1,1 pour 1 pour que la quantité de pétrole que vous avez extraite soit légèrement supérieure à l'énergie que vous avez dû investir. Si maintenant vous voulez pouvoir récupérer de l'énergie en raffinant ce pétrole, il va falloir que le TRE soit légèrement plus important. Si vous avez besoin de transporter ce pétrole et de le distribuer à différents endroits, pareil, vous avez besoin pour apporter de l'énergie à la société, que votre TRE soit plus élevé. Et vous montez en fait la chaîne de la pyramide avec des besoins qui nécessitent des TRE de plus en plus élevés parce que vous utilisez de plus en plus d'énergie sur les étapes intermédiaires. Alors, il ne faut pas prendre les valeurs au pied de la lettre, ce sont des illustrations, mais ça vous montre qu'en fait, si vous voulez une société développée avec un système de santé comme on peut l'avoir, avec tous les défauts qu'il peut avoir, si vous voulez que vos enfants soient éduqués, etc., il vous faut en fait des TRE suffisamment élevés globalement pour pouvoir maintenir un certain niveau de société. Et ça se voit aussi sur ce qu'on appelle la falaise énergétique, qui montre qu'en fait, quand vous avez des TRE élevés, donc c'est un graphe qui montre des TRE décroissantes, EROI c'est en anglais, et l'énergie nette que vous apportez à la société. On voit que jusqu'à des TRE d'à peu près 20, il n'y a pas vraiment de souci, on apporte beaucoup plus d'énergie à la société qu'on en a eu besoin pour investir. Quand on commence à descendre sous des TRE de 10, on voit que la quantité d'énergie nette diminue extrêmement rapidement en fait. Et c'est ça qu'il faut en fait éviter, c'est d'avoir des TRE qui diminuent trop fortement, sinon vous êtes extrêmement contraint sur la quantité d'énergie nette que vous allez pouvoir utiliser. Et on estime, et plusieurs études estiment qu'il faut minimum, et c'est ce qu'on voit aussi sur la pyramide, un TRE de 5, entre 5 et 10, ça dépend un peu des auteurs, pour pouvoir maintenir une société complexe comme la nôtre. Ils sont collectés de 2000 à 2018, donc certaines technologies sont moins matures que d'autres, et on en parlera après. Ce qu'on voit, c'est qu'on est passé, donc
Si on regarde le charbon, par exemple, le gaz naturel, on est sur une... en jaune, vous avez le TRE que vous allez obtenir si vous avez un stockage, par exemple, d'énergie pour compenser l'intermittence. On voit que dans les technologies renouvelables, l'éolien a un TRE beaucoup plus élevé que le solaire, et on en parlera après. Enfin, solaire photovoltaïque, si on parle de solaire thermique, c'est un peu différent. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au tout début du siècle dernier, quand on a commencé à utiliser du pétrole, les TRE étaient extrêmement élevés. Le pétrole avait un TRE de plus de 100. À l'époque, on est maintenant, si vous allez devoir creuser profondément pour récupérer quelque chose, plus c'est compliqué. Quand je parlais du solaire et de l'éolien, cette étude montre des valeurs extrêmement faibles pour le, à gauche pour le solaire. Il y a une étude qui était publiée plus ou moins en même temps, mais qui a pris en compte l'évolution des TRE publiés dans la littérature pour le solaire et pour l'éolien, et qui a même fait des projections sur quel type de retour énergétique on pourrait espérer dans les années à venir en prenant quelques suppositions sur sur les progrès technologiques. Et donc on voit qu'on retrouve le fait que dans les années 2000, le TRE du solaire est extrêmement faible. L'éolien a toujours été beaucoup plus élevé. On a une croissance jusque dans les années 2015, date à laquelle le papier s'est arrêté. On est aux alentours de 22-23 pour l'éolien et aux alentours de 8-10 pour le solaire. Et on a une augmentation jusqu'à 15-16 pour le solaire et à peu près 25-26 pour l'éolien. Donc on est sur des TRE qui peuvent être élevés hein, pour des technologies bien développées, mais sur des TRE qui sont quand même beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et le TRE est important parce que ça vous définit encore une fois la quantité d'énergie nette. Et ce qu'il faut prendre en compte quand on parle de transition énergétique, c'est que va être nécessaire, combien d'énergie nette va être nécessaire pour déployer et opérer une nouvelle technologie. Parce qu'en fait, quand on regarde la courbe de l'énergie disponible pour la société, en fonction de la capacité que vous allez mettre sur le réseau, eh ben elle évolue pas linéairement et elle augmente pas linéairement. Au début, on va voir la courbe rouge qui est en fait la quantité d'énergie que j'ai besoin de dépenser pour fabriquer une certaine technologie, que ce soit un réacteur nucléaire, que ce soit une éolienne ou quoi que ce soit. Je suis obligé d'investir de l'énergie et donc je l'enlève du système. Et seulement au bout de quelques années, en fait, j'arrive à un point où ma technologie produit plus d'énergie qu'elle en a besoin pour se développer. Et donc, ça a une forte influence aussi sur ce dont on discutait tout à l'heure, c'est la vitesse à laquelle on peut déployer une technologie. Parce que si vous voulez aller beaucoup trop vite, en admettant que vous puissiez, vous diminuez en fait d'une façon non négligeable la quantité d'énergie nette que vous avez disponible pour autre chose. En d'autres termes, plus vous essayez d'aller vite sur une transition énergétique, plus le TRE global de votre système va diminuer. Et ça, alors c'est un graphe compliqué, je ne vais pas trop le commenter, mais ça se remarque sur quasiment toutes les technologies. Donc ça, c'est différentes technologies solaires. Et on voit qu'à chaque fois en fonction du temps que les technologies passent dans le rouge, c'est une période où on est dans la partie déficit énergétique. Il fallait plus d'énergie pour la mettre en place qu'elle n'en produisait. Et c'est ce qui se passe pour toutes les technologies. Dans la croissance exponentielle, en fait, vous ne produisez pas d'énergie, vous en avez besoin pour développer votre technologie. Et ça se traduit en fait par une diminution du TRE en fonction du temps et du scénario de transition énergétique que vous pensez pouvoir faire. Alors ça, c'est trois scénarios qui ont été pris jusque dans les années 2060 en fonction du but qui était recherché pour les années 2060. Vous avez donc un scénario qui prévoit jusqu'à 50% de renouvelables intermittents sur l'horizon 2050, 75 et 100%. Et ce qu'on voit, c'est que les trois scénarios mènent à une baisse, pardon, de l'énergie disponible, donc du TRE en fonction du temps, et surtout le scénario le plus demandeur a vraiment une très forte baisse du TRE avant que celui-ci n'augmente. Donc en fait, vous allez avoir pendant de nombreuses années une diminution de l'énergie nette disponible avant seulement que ça augmente sur la fin parce que vos moyens de production seront devenus bénéficiaires. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte pour définir la vitesse à laquelle vous allez devoir déployer une technologie. L'autre chose dont on parle assez peu quand on parle d'énergie, et pourtant c'est un concept extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle la densité de puissance. Ça va être la puissance produite ou consommée, parce qu'en fait on peut utiliser le concept pour les deux choses, par unité de surface horizontale, donc projetée sur le sol, requise pour l'infrastructure de production ou de consommation. C'est un concept qui a été développé par Václav Smil dans les années 1980 et qui est extrêmement intéressant à regarder. On peut prendre un exemple, par exemple l'exemple d'une éolienne, pour calculer sa densité de puissance, pour vous donner tout de suite une idée de quoi on parle. Donc, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les éoliennes deviennent de plus en plus puissantes. Vous allez en voir, elles sont de plus en plus grosses parce que vous avez besoin qu'elles soient plus grosses pour produire plus de puissance. Ce graphe montre la taille de différentes éoliennes en fonction de monuments connus. Vous avez la Statue de la Liberté, par exemple, vous avez la Tour de Pise. Et donc, vous voyez que les dernières générations d'éoliennes, c'était 2018 pour le graphe,
qui génèrent entre 5 et 8 mégawatts, sont des choses qui sont énormes, sont des turbines qui sont extrêmement grosses. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à la même échelle, l'empennage d'un A380 qui fait à peu près 80 mètres. Vous voyez que les plus grosses éoliennes ont un diamètre qui est bien plus élevé que celui d'un A380. Les éoliennes, on ne peut pas les mettre trop près les unes des autres. Il va falloir, respecter une certaine distance entre deux éoliennes. Et typiquement, on estime qu'il faut, si vous les mettez les unes derrière les autres, entre 5 et 7 fois le diamètre d'une éolienne pour l'espacement entre deux éoliennes. Si vous prenez ça en compte, en fait, vous trouvez que la densité de puissance, c'est à peu près 1 watt par mètre carré. Donc, vous produisez 1 watt d'énergie. Alors, ça prend en compte un facteur de charge ici, donc le fait que vous avez une certaine intermittence. Donc, on prend en compte un facteur de charge de 30%, ce qui est déjà assez élevé. Et vous arrivez sur des densités de puissance de 1 watt par mètre carré. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder en quoi cette valeur se compare à d'autres technologies. Et donc, il y a une étude statistique assez poussée qui a été faite assez récemment pour comparer les densités de puissance, en watts par mètre carré de différentes technologies. Alors, c'est une échelle logarithmique. Vous avez le gaz naturel qui va être à des densités de puissance entre 100, 200, 300 et 1000, 2000 watts par mètre carré. Le nucléaire, on va plus ou moins dans les mêmes ordres, entre 100 et 500 watts par mètre carré. Le pétrole, plutôt pareil, autour de 100 à 500 watts par mètre carré. Et ce qu'on voit, c'est qu'au plus on va sur des technologies du type solaire, éolien, au plus les densités densités de puissance, pardon, vont diminuer. Parmi les renouvelables intermittents, le solaire est le plus intéressant parce qu'on peut s'approcher à l'heure actuelle d'une dizaine de watts par mètre carré. Et même avec les augmentations de rendement à l'heure actuelle, on peut espérer aller jusqu'à 20, 50 watts par mètre carré. Hein, vous savez que l'éolien, c'est ce qu'on avait dit, on est à peu près sur entre 0,5 et 1 watt par mètre carré. L'hydroélectrique, pardon, naturellement, on a des surfaces énormes qui sont mises en jeu, donc on a une densité de puissance qui est assez faible. Et la biomasse, quand on parle par exemple de produire des biocarburants, on voit qu'on est à un dixième de watt par mètre carré. Donc, ce qui est important en fait de voir dans ce graphe, c'est que si vous voulez passer des technologies bleues aux technologies vertes, donc par exemple des combustibles fossiles, les combustibles fossiles sont extrêmement denses, ont des densités de puissance extrêmement élevées. Dit autrement, notre infrastructure énergétique aujourd'hui est extrêmement compacte. On estime que si vous preniez toute l'infrastructure énergétique du monde, vous pourriez la faire tenir sur un pays un peu plus gros que la Grèce. Donc c'est une toute petite partie du territoire qui est occupée par l'infrastructure énergétique. Plus on va diminuer la densité de puissance, plus l'impact sur l'environnement va augmenter. Alors, tout de suite, il faut faire une petite précision. Ce n'est pas parce que vous mettez deux éoliennes à 500 mètres l'une de l'autre que vous ne pouvez rien faire entre deux éoliennes. Donc, vous n'avez pas forcément une utilisation exclusive du terrain. Mais vous changez, vous dénaturez quand même le terrain. C'est plus un endroit sauvage. Vous êtes obligé de raser des arbres, vous êtes obligé de mettre des structures en béton, etc. Et donc, c'est quand même un impact que vous avez sur votre environnement. Quand on considère que dans le monde, il reste plus que 20 à 25% d'espace sauvage, si vous voulez augmenter votre empreinte sur l'environnement, ça a un impact direct sur la biodiversité. On sait que la diminution de la disponibilité des espaces sauvages est un des plus grands facteurs de la biodiversité. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire, mais c'est des choses qu'il faut garder en tête. La densité de puissance des technologies de type éolien et renouvelable est très faible par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Donc, ça va être la première fois dans l'histoire en fait de l'énergie où on va passer de combustible extrêmement dense en termes de densité de puissance à quelque chose qui est beaucoup moins dense. Et en fait, si on prend même depuis le début de l'histoire et du développement de l'agriculture, qu'est-ce que c'est l'agriculture? C'est en fait une façon d'augmenter la densité de puissance. C'est une façon de concentrer l'utilisation du flux solaire sur une certaine parcelle en faisant pousser le maximum de plantes sur une certaine parcelle, donc d'augmenter la densité de puissance. On a toujours cherché à augmenter ces densités de puissance parce que ça limitait l'impact qu'on pouvait avoir et ça donnait une production beaucoup plus importante. Pourquoi c'est important? Il y a deux choses à voir. C'est que si vous comparez les densités, alors c'est un graphe qui est un petit peu occupé, mais ça compare en fait les densités de puissance de consommation et de production. En fait, ce que ça veut dire, c'est que selon la technologie que vous allez avoir, vous allez avoir besoin, si vous prenez une ville, un certain nombre de fois la surface de la ville pour avoir la puissance nécessaire pour alimenter cette ville. Donc là, c'est un graphe qui est à l'échelle du pays. Vous voyez les pays les plus consommateurs, ceux qui ont une densité de puissance en consommation la plus élevée. Ça vous montre aussi la densité de population. Mais en fait, ce que ça vous montre, c'est que plus vous allez utiliser des technologies qui vont vers la droite, plus la densité de puissance est élevée et en fait, moins vous avez besoin d'espace, encore une fois,
pour obtenir l'énergie dont vous avez besoin. Et on voit par exemple que si vous utilisiez les céréales ou donc de la biomasse à l'heure actuelle pour produire toute l'énergie dont on a besoin, on aurait besoin la même surface, voire plus que la surface des pays en question. C'est aussi important parce qu'en fait, alors c'est pas une loi linéaire, mais vous avez une augmentation de la densité de puissance d'une ville, donc en consommation, combien de watts par mètre carré vous consommez pour une ville, ça augmente en fonction de la population. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à en fait empiler les gens de façon verticale en ville. Donc vous utilisez la même surface verticale, la même surface horizontale, pardon, mais vous augmentez la puissance consommée sur une certaine surface. Et donc si on regarde des villes américaines, si vous partez de Phoenix jusqu'à New York, vous voyez que la densité de population augmente, la densité de puissance augmente. Donc vous avez une densité pour New York de l'ordre de 45 watts par mètre carré. Donc si vous avez une technologie qui fait 10 watts par mètre carré, vous faites minimum 4 fois la surface de New York pour alimenter New York en énergie. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, l'avenir de l'humanité, si on en croit les études actuelles, c'est plutôt ce genre de choses. C'est que les habitants se regroupent en ville et donc se concentrent et donc se regroupent sur des zones habitées à très forte densité de puissance plutôt que d'habiter à la campagne. On a passé un point intéressant à peu près en 2006 où plus de 50% de la population mondiale habite maintenant dans des zones urbaines. Alors, la définition de ce que c'est une ville peut être un petit peu floue, mais on voit quand même que sur les 60 dernières années, il y a une tendance très forte à l'urbanisation. Et on estime que dans les années 2050, si les choses continuent comme elles sont, on n'aura plus 75% de la population mondiale qui habitera dans des villes. Donc il y aura des densités de puissance en consommation élevées et qui aura donc besoin de sources de production énergétique plutôt concentré si on veut limiter la quantité d'espace qu'on veut utiliser. Alors, donc ça c'est deux métriques qui vous permettent un petit peu de juger quand on parle de différentes technologies, ce qu'elles vous apportent, ce qu'elles ne vous apportent pas. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut faire ci ou ça. Ça vous permet juste d'avoir des métriques un petit peu simples pour voir de quoi on parle. Donc, quand on essaie de vous vendre une technologie, il faut toujours essayer de vous demander de quel type de densité de puissance on parle et de quel type de taux de retour énergétique on parle. Parce qu'il y a plein de technologies pour générer de l'énergie. Mais si votre taux de retour énergétique c'est 1,5 pour 1, c'est bien, mais ça ne vous a pas apporté grand-chose. Pareil, si votre dense, quand on vous parle de faire voler des avions avec des biocarburants, bah, si on regarde en termes de densité de puissance, il va vous falloir plusieurs hectares de céréales, en supposant que vous utilisez l'huile de palme, qui est celle qui a la densité de puissance la plus élevée, pour faire un Paris-New York. Donc si maintenant vous multipliez par le nombre d'avions, vous voyez tout de suite la surface que vous allez devoir occuper. Et là, vous commencez à rentrer sur des problèmes de compétition d'utilisation d'espace. Alors on pourrait se dire la technologie va nous sauver, on va être de plus en plus performant, on va développer des technologies de plus en plus économes. Et c'est vrai, c'est le cas, on a un certain progrès technologique, on estime qu'on a une efficacité énergétique qui augmente à peu près, qui change d'un facteur 1,5 à 2% par an, donc ça change mais pas très rapidement. Et on peut prendre plusieurs exemples de ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que si vous augmentez l'efficacité d'une certaine technologie, c'est comme si vous diminuez le prix de quelque chose. L'effet rebond, c'est que vous allez en avoir beaucoup plus, parce que pour la même dépense, vous allez pouvoir voyager beaucoup plus loin, et vous rendez les choses beaucoup plus faciles. On peut prendre l'exemple de la voiture, par exemple. Le moteur diesel a été inventé dans les années 1880. 1880, oui, dans une technologie assez ancienne. Mais on voit qu'on a une très forte amélioration technologique des moteurs en termes de puissance spécifique, donc quelle puissance vous tirez de 1 litre de diesel, de gasoil. On a une très forte augmentation au fur et à mesure des années, mais ce qui se passe en parallèle, c'est qu'on a une très forte augmentation du poids moyen des véhicules. Donc on a des moteurs qui sont de plus en plus efficaces, mais on les met dans des voitures qui sont de plus en plus lourdes. Les moteurs qu'on installe sont de plus en plus puissants. Il n'est pas rare de voir une berline maintenant avec un moteur de 150 à 200 chevaux, voire même beaucoup plus pour certains. Donc en fait, la consommation d'essence que vous avez à la fin n'a pas vraiment changé. Au contraire, vous avez développé plus de technologies pour faire une voiture qui est beaucoup plus lourde, qui contient énormément d'électronique, qui va vous demander énormément de matériaux. Et donc, vous avez beau avoir amélioré l'efficacité de votre moteur, ça n'a pas changé grand-chose sur la quantité de carburant que vous utilisez au total. Pareil pour l'aviation, alors là, c'est encore plus marqué. C'est un graphe américain, donc c'est que des Boeing, mais vous auriez la même courbe si vous regardiez des Airbus. Si vous regardiez en termes de consommation de carburant,
par passager kilomètre, donc par passager multiplié par la distance que vous faites. On a eu une amélioration de l'efficacité énergétique à près 65% entre les années 1960, avec le Boeing 707, un des premiers avions à turboréacteur qui faisait des transatlantiques, hein, jusqu'au 787 dans les années 2000, 2010, qui est un avion qui est fait en composite, qui est assez léger, qui a des moteurs assez efficaces. Vous avez une très forte diminution de la consommation par passager kilomètre. 65% sur 60 ans, c'est quand même loin d'être négligeable. Par contre, vous avez augmenté le nombre de passagers kilomètres par 20. Vous avez une technologie qui vous permet de consommer 2 à 3 fois moins d'essence, mais vous avez multiplié par 20 le nombre de voyageurs que vous faites voyager. Donc au total, vous consommez beaucoup plus de carburant maintenant pour l'aviation, malgré le fait que vos avions sont de plus en plus performants. L'autre chose qu'il faut prendre en compte quand on parle de transition énergétique, c'est la quantité de matériaux dont on va avoir besoin. Si on prend par exemple le cas d'une éolienne, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est une structure extrêmement grosse. On l'a dit, les plus grosses éoliennes ont des pales qui font plus de 100 mètres de diamètre. Il faut qu'elles tiennent au sol. Donc vous allez avoir une énorme structure en béton, vous allez avoir un pylône en acier et vous allez avoir une lame d'éolienne qui va être en composite. Tout ça demande des matériaux. Ces matériaux ont demandé de l'énergie pour être produits. C'est ce qu'on appelle de l'énergie grise. C'est l'énergie qui est piégée en fait dans les matériaux que vous allez fabriquer. Et en fait, il y a une corrélation directe entre la densité de puissance et la quantité de matériaux que vous allez avoir besoin. C'est des études qui ont été faites par Olivier Vidal, par exemple, qui regardent la quantité de matériaux que vous avez besoin pour différentes technologies. Alors, le champion des champions, c'est évidemment l'hydraulique. Vous avez besoin d'énormes structures en béton, mais bon, vous l'avez pour une centaine d'années, voire plus. Mais ce qu'on voit, c'est que si on compare le gaz, par exemple, ou le pétrole, avec des fermes photovoltaïques ou des champs d'éoliennes, on augmente la quantité de matériaux facilement par un facteur 10, du type, donc dans ce cas-là, c'est pour le béton. On a la même chose pour l'acier, la quantité d'acier qui est nécessaire pour différentes technologies. Donc, vous allez vous tourner vers une technologie qui émettra peut-être moins de carbone, mais qui va vous demander beaucoup de matériaux à produire. Alors, quand on parle de béton et d'acier, c'est déjà des matériaux un peu critiques et on va en parler après. Mais on sait aussi que, par exemple, dans les panneaux photovoltaïques, vous allez avoir besoin de cuivre, vous allez avoir besoin de métaux rares, de métaux semi-conducteurs. Pour des éoliennes, vous allez avoir besoin d'énormément de cuivre, par exemple. Et ce sont des choses auxquelles il faut faire attention parce qu'on n'a pas non plus un stock illimité de matières premières pour ces choses-là. Un exemple, par exemple, c'est l'acier. On pourrait se dire que l'acier, c'est un matériau old-fashioned. En fait, on n'a jamais produit autant d'acier dans le monde qu'à l'heure actuelle. Et 50% des émissions de CO2 dans l'industrie sont émises pour la production de l'acier, du ciment et de l'aluminium. Donc, ce sont des métaux qu'on utilise énormément maintenant pour les technologies, qu'on a toujours utilisées, et qui produisent énormément d'émissions de CO2. Dans le monde, à l'heure actuelle, on produit 1,6 milliard de tonnes de CO2. Et pour produire une tonne d'acier, vous avez besoin d'1,6 tonnes de CO2. Donc, c'est des technologies qui sont extrêmement émettrices de CO2. Et pourquoi? Parce que principalement, vous allez utiliser du coke, du charbon pour faire la réduction du fer et pour obtenir de la fonte qui va vous permettre ensuite de faire de l'acier. On pourrait se dire on pourrait faire du recyclage, et c'est ce qui est montré ici en rouge. En 2018, seulement 28% de l'acier qu'on utilisait était recyclé dans des fours électriques. Donc, on peut maintenant, on n'a pas besoin de charbon, on peut utiliser de l'électricité pour les chauffer, mais c'est seulement une petite partie de la quantité d'acier dont on parle. Donc, c'est aussi des domaines où il faut faire très attention, parce que si on parle de décarboner notre société, on parle aussi de produire de l'acier à l'échelle, donc à des quantités qui sont énormes et qui vont augmenter et très fortement. Pour l'instant, des technologies qui dépendent de combustibles fossiles. Et à l'heure actuelle, en 2018, on n'a pas de technologie qui nous permette de produire autant d'acier sans émettre de CO2. Il existe des développements pour utiliser de l'hydrogène pour faire la réduction directe, pardon, de fer, de minerai de fer, mais c'est encore pas du tout à l'échelle qu'il faut pour soutenir la demande. Et on l'a dit, plus on va sur des matériaux compliqués, je vais juste passer rapidement là-dessus, plus on a besoin d'énergie pour produire 1 kg de ces matériaux. Donc, quand on dit on va passer de l'acier à l'aluminium, en fait on multiplie par 5 là-dedans la quantité d'énergie qu'on a besoin pour produire la même quantité d'aluminium. Et donc il faut aussi faire attention à ça. Plus on a des matériaux high-tech, des matériaux développés, l'aluminium, les plastiques, etc., plus on va avoir besoin d'énergie à la base pour les produire. Et aussi, ce qu'il faut regarder en compte, prendre en compte, c'est que comme pour le pétrole, on a commencé à utiliser les minerais métalliques qui avaient le plus de métaux
qui étaient les plus riches. Et en fait, au fur et à mesure du temps, la richesse, pardon, des minerais diminue. Donc, on a des minerais qui sont de plus en plus dilués. Ça demande de plus en plus d'énergie pour récupérer un métal donné dans une mine. Comme vous avez besoin de toujours plus de métaux et que la concentration diminue, vous avez une augmentation constante de l'énergie que vous avez besoin pour récupérer ces métaux. Donc, ce n'est pas seulement l'énergie que vous avez besoin pour les produire ensuite, c'est en plus l'énergie que vous avez besoin pour les récupérer. Alors maintenant, on pourrait se demander, donc on a parlé de technologie d'énergie, comment on peut essayer de transitionner, quels sont les facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a autre chose qu'il va falloir absolument prendre en compte, c'est que toute transition énergétique va imposer une diminution drastique de la quantité d'énergie qu'on utilise, et surtout une rationalisation de la quantité d'énergie qu'on utilise. C'est un graphe qui vous montre en moyenne par habitant la consommation énergétique des différents pays. La moyenne mondiale, c'est un graphe équivalent, c'est 1,8 tonnes équivalent pétrole par personne. Vous voyez que vous avez des pays comme les Émirats arabes unis ou le Koweït qui sont à peu près 10, 5 à 6 fois au-dessus de cette moyenne. Le Canada qui est une très forte consommation énergétique par personne, les US, les pays de l'OCDE. Vous avez les pays de la droite qui augmentent très rapidement leur consommation, puisqu'on a dit que la consommation d'énergie était liée au PIB, donc ils essayent de rattraper, de se développer, donc ils consomment de plus en plus d'énergie. Ce qui est assez marrant, par exemple, c'est de voir la Chine qui apparaît en premier lieu de ce graphique, qui se dépasse assez rapidement de la droite vers la gauche, donc ils consomment de plus en plus d'énergie. Vous allez avoir l'Inde qui va suivre. Donc tous ces pays-là vont augmenter leur consommation énergétique. On leur demande de faire des efforts, comme on doit tous le faire, pour essayer de diminuer les émissions de CO2. Et donc la seule façon sérieuse de le faire, sachant qu'on a une sorte de dette morale puisqu'on a commencé à utiliser autant d'énergie depuis très longtemps, ça va être de diminuer fortement notre consommation d'énergie. Il va falloir que les pays développés non seulement transitionnent vers la production d'énergie, d'électricité propre, mais en plus diminuent fortement la quantité d'énergie qui diminue. Qu'ils utilisent. Alors, c'est ce qu'on a dit au début, on a dit l'énergie et le PIB sont liés. Donc, on peut se dire diminuer la quantité d'énergie, c'est ce qu'on voit exactement en ce moment. On a très fortement diminué notre consommation énergétique et on a le PIB qui part en flèche vers le bas. On estime que la France perdra près de 6% de PIB cette année. On peut se dire que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie, puisqu'on veut garder un certain niveau de développement, et donc on n'a pas vraiment envie forcément de faire un grand plongeon. Et c'est en fait intéressant de regarder qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser autant d'énergie. On a peut-être besoin au niveau du PIB. Mais même là, en fait, tous les index montrent qu'une fois que vous avez atteint un certain niveau de consommation énergétique par personne, vous avez une sorte de saturation. Augmenter votre consommation énergétique vous apporte pas beaucoup plus, que ce soit en bonheur, que ce soit en développement. Ici, je montre à droite le développement, l'index de développement humain, à gauche l'indice qui est un peu plus subjectif, mais l'indice de bonheur de différents pays. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à partir d'une certaine courbe, d'un certain niveau de puissance consommée par personne, on sature. Et vous voyez même en fait des cas où les pays utilisent beaucoup plus d'énergie et en fait ne sont pas plus développés que d'autres pays. Donc ça vous montre en fait qu'il y a moyen de fortement diminuer la consommation énergétique pour beaucoup de pays sans perdre forcément grand-chose. Ce qui est la première chose à garder en tête, et c'est vraiment une histoire d'utilisation rationnelle de l'énergie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de partir en week-end à l'autre bout de l'Europe, qui est extrêmement demandeur en énergie? Est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone aussi rapidement, etc. C'est toutes des quantités d'énergie qui ne nous apportent pas beaucoup plus en fait pour des dépenses énergétiques qui sont extrêmement élevées. Et cette décroissance énergétique soit être contraint de toute façon. On sait par exemple qu'on a passé, alors ça, les dates varient un peu selon les rapports. L'IEA considère que c'est dans les années 2008, les Américains considèrent que c'est dans les années 2011. On a passé ce qu'on appelle le pic de pétrole pour les pétroles conventionnels, on l'a passé dans les alentours des années 2010. Depuis, la production de pétrole diminue légèrement. La seule chose qui a tenu le marché du pétrole jusqu'à il y a quelques mois, c'est ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels, les gaz et les huiles de schiste, qui ont connu un très fort boom dans les années 2010 et après. Mais vous avez peut-être suivi le fait qu'en fait, d'une, c'est une industrie qui est extrêmement peu rentable, et de deux, en ce moment, avec la chute des prix, c'est une entreprise qui est en train de souffrir et c'est pas sûr qu'elle se remette à l'heure actuelle. Donc en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de perdre peut-être une grosse capacité de production en pétrole, et donc en fait, on va rentrer, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, dans un déclin de la fourniture d'énergie ou de pétrole au moins,
Hein, et donc, il va falloir de toute façon faire avec une certaine contrainte énergétique. Il est certainement plus intéressant d'essayer de la prévoir et de vivre avec que de la subir de façon marquée. Hein, et c'est ce que les Américains, et je finirai quasiment là-dessus, ce que les Américains appellent le pulse carbone, le bois, la biomasse et l'énergie musculaire. On a découvert les combustibles fossiles. Ça nous a amené à une consommation énergétique qui est intenable et que d'ici 1000 à 2000 ans, il est fort probable qu'en fait on revienne à quelque chose d'autre parce qu'on n'aura pas, on aura utilisé tous les combustibles fossiles qu'on avait trouvés. En fait, les gens comme Leighton Hagens disent qu'on est en train de vivre une sorte de parenthèse et qu'on est sûrement sur la phase décroissante de cette courbe où on a eu une abondance d'énergie extrêmement élevée, une très forte abondance énergétique et qu'il y a de fortes chances qu'on descende cette courbe et que ça ne soit pas forcément très agréable. Et en fait, on pourrait aussi montrer d'autres exemples sur lesquels il est possible de faire beaucoup mieux. On estime dans le monde qu'on gâche à peu près 30% de la nourriture produite, sachant que la nourriture produite est produite à force de très forts engrais qui sont produits avec de l'ammoniac. L'ammoniac qui est un produit qui nécessite énormément d'énergie. On estime qu'à peu près 1% de l'énergie mondiale est utilisée pour produire de l'ammoniac. Hein, et ensuite, on utilise l'ammoniac pour faire des engrais. Donc, c'est des domaines où on a énormément de marge de manœuvre parce qu'on n'a pas besoin, en principe, de produire autant de nourriture si c'est pour la gâcher, surtout si c'est pour qu'en plus une partie de la population n'en ait même pas à manger. Et une chose qui est extrêmement importante, et on parlera peut-être la semaine prochaine pendant le débat, c'est que c'est aussi une façon de penser, des choses qui va être importante, qui va falloir changer. On a ce qu'on appelle une sorte d'adaptation ou d'habituation. On a besoin de toujours plus parce qu'on s'habitue à ce qu'on a maintenant. On veut toujours plus parce qu'on se compare toujours à son voisin. On ne regarde jamais la personne qui a moins que vous, mais la personne qui a plus que vous. Il y a énormément de choses au niveau neurologique qu'il va falloir aussi, au cognitif, pardon, qu'il va falloir aussi travailler quand on va parler de transition énergétique. Ce n'est pas seulement une histoire technologique, et sûrement pas une histoire technologique, c'est une idée de quelle société on veut développer et comment on fait pour qu'on la rende désirable et que les gens veuillent s'y rendre. Voilà, et je vais juste finir avec une petite image qui montre ce que pour moi est la transition énergétique. C'est plutôt une montagne à gravir. Je pense que la présentation vous a montré un peu l'échelle et aussi la difficulté des choses. Donc quand vous entendez les gens parler d'une transition énergétique facile, rapide, méfiez-vous toujours parce qu'il est fort peu probable que toutes les hypothèses ont été prises en compte. Voilà, je vais regarder peut-être quelques questions, si j'arrive à comprendre comment ça marche. Hop. Alors, il y aura une session de discussion la semaine prochaine. Donc, on pourra noter toutes vos questions et on pourra vous les noter. J'essaie de choper quelques questions. Ah oui, il y a une remarque sur le fait qu'effectivement, on parle souvent de climat et d'énergie sans parler des matières extraites, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette conférence. Et surtout la quantité d'énergie que vous allez devoir développer pour les faire. Et ça aussi a un lien avec le recyclage ensuite, parce qu'on sait que si on veut continuer à soutenir notre demande, par exemple en termes de cuivre, etc., il va falloir fortement augmenter la production de cuivre et les capacités de recyclage. Une question sur le terreau du photovoltaïque. J'en ai parlé, les graphes que je montre sont assez élevés, sont assez anciens. Les premiers graphes que je montre sont assez anciens, donc on a effectivement un taux de retour énergétique assez faible au départ. Ça s'améliore, mais on pense qu'il y a une limite technologique à ce qu'on peut faire parce que la capacité que vous avez à récupérer l'énergie solaire n'est pas infinie. Vous avez des gains technologiques, mais ils ne sont pas non plus faramineux. Et ce que je montrais, c'est les gens estiment qu'on aura des TRE pour le photovoltaïque de 10 à 20 dans les années à venir, ce qui est déjà beaucoup plus élevé, mais ce qui ne reste pas des valeurs extrêmement élevées. Alors, vous pouvez vivre avec et vous pouvez dessiner une société qui est basée là-dessus, mais il ne faut pas oublier quand on parle, et on en parlera la semaine prochaine, de photovoltaïque ou d'éolien, on parle aussi de stockage énergétique ou de backup, et donc il faut penser à ça aussi. Alors pour la baisse des émissions en France dans les années 2000, il faut faire attention au fait qu'on a beaucoup désindustrialisé, on externalise beaucoup. Donc beaucoup de notre production industrielle, par exemple, maintenant se fait en Chine ou dans d'autres, qui prend en compte aussi les imports de biens, où ils ont été produits et comment ils ont été produits. C'est aussi, par exemple, un des gros débats sur la voiture électrique.
Le bilan carbone de votre voiture électrique va beaucoup dépendre d'où est fabriquée votre batterie. Et par exemple, je possède une Zoé et les batteries sont fabriquées dans un pays où l'électricité provient en majorité du charbon. Donc ça, en fait, ça augmente l'empreinte carbone de votre batterie. Il faut plus de temps pour pouvoir la rembourser par rapport à un véhicule thermique. Et donc il faut toujours faire attention quand les pays parlent de baisse d'émissions de carbone, de savoir qu'elles ne sont pas juste transférées sur un autre pays qui lui va utiliser du charbon, parce que ce pays-là va bien devoir à un moment ou à un autre aussi diminuer ses émissions. Ce que je propose, qu'il est que assez tard, c'est de finir cette conférence et de vous remercier à tous pour vos questions et votre attention. N'hésitez pas, donc on gardera les questions qu'on voit là sur le chat, n'hésitez pas à les envoyer aussi par mail et on pourra y répondre avec les autres intervenants la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée.